Voilà, on va maintenant accueillir le professeur Castronovo, qui nous vient de Belgique, de l'Université de Liège. Il est déjà venu avec grand plaisir en 2009 et 2012. Et on l'a fait revenir parce que c'est, vous le verrez, vous allez voir, c'est un orateur incroyable et un puits de connaissances. Et donc tu vas nous parler de comment mieux armer notre système immunitaire. On a vu qu'on pouvait Absolument. l'aider avec les thérapeutiques, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose dans notre coin, enfin nous médecins, nous patients, entourage, pour aider. Bonjour à tous, je suis heureux de vous voir nombreux, mais comme vous savez, c'est aujourd'hui la journée du patrimoine et je pense que le centre ressources et monsieur Mouisset fait aujourd'hui partie du patrimoine, tant ce petit personnage, je pense. Et grand dans ses ambitions, dans ses actions, dans sa générosité. Vous devez être fier à Aix et dans la région d'avoir quelqu'un qui se dévoue tant à cette cause remarquable qui est la prise en charge des patients cancéreux. Juste, excuse-moi, tu dois pas dépasser la ligne. Ah, d'accord. Ça va être dur parce C'est que. pour les caméras. Là, tu as vu, il y a un scotch là. Comme ça. Ah, Voilà. je peux aller Tu vas jusque pas là. plus loin et pas plus loin que ça non plus. On va Et mettre ça notre. sonne quand je. Tu peux Non. rester là. D'accord. Ok, d'accord. Désolé. Pour la caméra. Donc, comme l'orateur précédent, M. Barézi, vous l'a dit, le système immunitaire joue un rôle important et beaucoup de thérapies ciblées sont aujourd'hui basées sur l'utilisation de ces ressources remarquables qu'est ce système immunitaire. Alors, le constat doit être le suivant, lorsqu'un patient développe un cancer, cela est la preuve indiscutable que le système immunitaire a été pris en défaut, qu'il n'a pas été capable d'éliminer les cellules dissidentes, les cellules précancéreuses que nous avons tous, qui apparaissent chez nous à tout moment et qui doivent être détruites. Alors il y a deux possibilités. Monsieur Barézi a dit que les cellules cancéreuses sont capables de déjouer le système immunitaire, mais également le fait que le système immunitaire ne soit pas équipé pour faire son boulot. Et c'est plutôt sur ce versant que je voudrais aujourd'hui un peu discuter, parce que justement, ça concerne énormément de monde. Quelques données récentes montrent qu'en Europe, dans la communauté européenne, il y a eu en 2008 2,45 450 000 personnes qui ont été atteintes d'un cancer et 1,230 000 qui en sont décédées, ce qui représente un coût de 126 milliards d'euros par an. Alors, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose souvent, mais sachez que le cancer en Europe, c'est l'équivalent de 14 Airbus 320 qui se crashent tous les jours, 7 jours sur 7, tous les mois de l'année. 14 Airbus qui se crashent. Donc c'est assez impressionnant et donc on a vraiment un gros problème de santé publique à résoudre. Avoir 30 minutes pour parler du système immunitaire, c'est un peu compliqué, mais je vais néanmoins essayer d'envisager ce sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas parler du système immunitaire sans se rappeler à quoi et comment constituer ce système de défense. En fait, nous, en tant qu'animal, nous devons nous défendre de manière perpétuelle et continue contre nos ennemis, que ce soit des ennemis biologiques, chimiques ou physiques. En fait, d'accord? Et donc, c'est en fait ces systèmes de défense sont nécessaires à notre survie dans un milieu hostile. Le système de défense immunitaire actuel est le résultat d'un phénomène évolutif qui est caractérisé par une organisation hiérarchique, où en fait, à chaque fois que nous avons mis en place des systèmes de défense, nos ennemis, nos prédateurs les ont déjoués, nous avons dû reconstruire des systèmes plus efficaces pour pouvoir survivre. Alors, vous voyez ici une construction pyramidale, et ce qui est important, c'est que cette pyramide repose sur une base qui est souvent oublié parce qu'elle est ancienne et qu'on n'a plus vraiment ce lien entre le rôle de la base et le fonctionnement de la partie la plus compliquée, la pointe. Alors, le premier niveau de défense, ce sont les barrières. Quoi de plus intelligent pour empêcher l'ennemi de rentrer dans notre intégrité territoriale que de mettre des barrières? Malheureusement, ces barrières vont être traversées par des ennemis. Alors, une fois que l'ennemi est dans votre territoire, c'est une déclaration de guerre et vous devez partir au combat, détruire l'ennemi. Et la première ligne de défense qui a été au cours de l'évolution mise en place, c'est l'immunité innée, c'est-à-dire on a demandé à quelques cellules de pouvoir reconnaître une catégorie d'ennemis relativement grossièrement et de les détruire. Le problème, c'est que cette reconnaissance se faisait par catégorie. On reconnaissait les champignons, les bactéries, les virus, les gram-moi, les bactéries gram-positives, mais on ne parvenait pas à les identifier de manière personnalisée.
Ce qui fait que certains ennemis ont trouvé la bonne manière de retirer l'élément qui permettait de le reconnaître en tant qu'éventuellement champignon ou bactérie. Et donc, ces ennemis ont réussi à déjouer ce deuxième niveau. Et c'est là qu'est apparu le troisième niveau, qui est l'immunité spécifique le plus sophistiqué, qui permet de reconnaître individuellement l'ennemi et de mettre en place une stratégie de destruction massive. Ces trois niveaux sont hyper importants. Et bien sûr, vous imaginez que plus on passe d'un niveau à l'autre, plus ça devient extrêmement compliqué. Je veux dire qu'on n'y comprend encore rien dans le fonctionnement spécifique de l'immunité. Chaque mois est souvent l'occasion de nouvelles découvertes qui vient compromettre ce que nous pensions être des certitudes le mois avant. Okay. Alors, il est important de savoir que ce premier niveau est hyper important et qu'il va permettre d'empêcher les ennemis d'entrer. Okay. Alors, ces barrières, en fait, normalement, doivent être entretenues de manière extrêmement précise pour empêcher, parce que tout le système repose sur cette base. Okay. Une fois que la base est compromise, eh bien, c'est l'édifice qui va vaciller, éventuellement s'effondrer. Et ça, souvent, on l'oublie, c'est que notre système immunitaire est basé sur le prérequis que les barrières sont fonctionnellement intactes. C'est-à-dire, ne vous étonnez pas qu'il y ait des voleurs qui rentrent chez vous si vous laissez la porte ouverte, vous avez oublié de la verrouiller. Alors, ces barrières, eh bien, c'est la peau, bien sûr, ce sont les muqueuses, ce qui tapissent les voies respiratoires. Et la barrière la plus importante, la plus vulnérable, c'est la barrière intestinale. Figurez-vous que vous avez 1000 mètres carrés, c'est-à-dire la surface d'un court de tennis, d'une épaisseur de 25 millionièmes de mètres, qui vous sépare du monde le plus hostile, c'est-à-dire le contenu intestinal. Et en fait, cette barrière se renouvelle toutes les 36 heures. Chaque jour, 50 milliards de cellules intestinales meurent et sont remplacées par 50 milliards d'autres cellules intestinales. Étant donné que cette barrière est la plus vulnérable, vous ne serez pas étonné de vous rendre compte que 80% de toutes les cellules du système immunitaire vont être déployées le long de l'intestin. Donc déjà, de manière importante, il faut bien réaliser qu'il y a un couple intestin-immunité, tube digestif-immunité, qui est hyper important, qu'on ne peut pas avoir un bon système immunité si on a des problèmes au niveau intestinal. Alors, une fois que ces barrières ont été franchies, l'ennemi dans votre territoire, c'est lui ou vous, donc c'est à la vie et à la mort, et vous rentrez en guerre. Et cette guerre, en fait, elle va être mise en place par une armée de cellules et de molécules qui vont former ce qu'on appelle l'immunité innée, non spécifique. Cette guerre va être réalisée en effet par des cellules et qui vont utiliser des moyens de communication, c'est-à-dire qu'on appelle des chimiokines, des cytokines, et des facteurs solubles pour pouvoir s'attaquer aux ennemis. Voici quelques représentants des cellules de cette armée du système immunitaire qu'on appelle les globules blancs, parce que lorsqu'on prend du sang et que l'on le centrifuge, eh bien les globules rouges vont être le premier culot, et puis on a une toute petite fine couche de cellules blanches qui sont les cellules du système immunitaire essentiellement, avec des polymorphes nucléaires, avec des lymphocytes, avec des monocytes, des macrophages, etc. Une catégorie de cellules importantes du système immunitaire, nous en reparlerons vers la fin de l'exposé, sont les cellules NK, les Natural Killers. Ces cellules, elles sont géniales parce que ce sont de véritables mercenaires qui patrouillent dans notre sang et qui sont là pour contrôler l'identité des cellules, pour voir si elles appartiennent à notre communauté cellulaire, si elles sont normales, si elles ne sont pas en train de devenir dissidentes précancéreuses, et si au cours de ce contrôle d'identité, si ça ne se passe pas bien, il n'y a pas de mise en examen, la cellule est directement détruite par ce qu'on appelle le baiser de la mort, c'est-à-dire que la cellule va demander, la cellule NK, Natural Killer, va demander à la cellule anormale de se tuer. Alors là, le système immunitaire inné, je vous l'ai dit, va se limiter à des groupes de pathogènes, donc d'éléments agressifs, de bactéries. Et un de ses problèmes, c'est que aussi, il n'est pas capable de reconnaître les ennemis intracellulaires, il n'est pas capable de reconnaître les cellules anormales. Et donc, au cours de l'évolution, il a fallu apporter un nouveau module qui est le plus sophistiqué. On considère le système immunitaire probablement le système le plus complexe de l'organisme humain après le cerveau. Ce système immunitaire inné, il est basé sur la reconnaissance spécifique de l'ennemi,
avec aussi comme invention le concept de la mémoire immunitaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rencontré un ennemi, vous allez lui faire un portrait robot, faire des photocopies, l'envoyer partout. Comme ça, la prochaine fois, lorsqu'il va venir, eh bien, il n'aura pas l'occasion de diviser parce que vous aurez déjà les armes de reconnaissance pour le détruire. Et c'est sur cette base qu'on a réalisé les vaccinations. On prend un morceau de l'ennemi à son portrait, on le présente au système immunitaire, on lui dit la prochaine fois, dès que vous voyez cet ennemi-là, vous tirez à vue, c'est un méchant. D'accord ? Voilà en fait ce système immunitaire. Bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, juste pour vous dire que ce système étant tellement efficace, il a été nécessaire à un moment donné de pouvoir mettre un système de protection de nos propres cellules, parce que ce serait une catastrophe que notre système immunitaire se retourne contre nous et détruise nos propres tissus, comme on en parlait tout à l'heure, qui serait à la base des maladies auto-immunes. Voici l'arme remarquable, l'invention remarquable du système immunitaire spécifique, ce sont les anticorps, dont vous avez tous entendu parler d'anticorps, antibody, qui en fait vont reconnaître tout ce qui n'est pas vous. Okay ? Donc n'importe quelle molécule qui ne fait pas partie du recensement de vos molécules vont éventuellement être considérées comme un ennemi et détruites. Alors, comment est-ce que ce système de défense va s'attaquer à l'ennemi, que ce soit un ennemi extérieur, une bactérie, ou un ennemi intérieur, des cellules précancéreuses? Eh bien, il y a plusieurs systèmes. D'abord, vous devez savoir qu'il y a d'abord un nombre de molécules qui sont produites par le foie. Lorsque vous êtes en guerre, eh bien, le foie se transforme en une usine à produire des molécules de guerre. Ces molécules de guerre, on les appelle les molécules de l'inflammation, puisqu'en fait, on voit que le résultat de l'activation du système immunitaire, ça se matérialise par l'inflammation, et ces molécules, on peut les doser dans le sang pour voir si vous avez une activation du système immunitaire. Alors, un autre système, c'est le complément, c'est un système remarquable de molécules qui circulent dans le sang lorsqu'elles sont activées. Lorsque, par exemple, une cellule ennemie rentre et reconnue par le système inné ou bien tapité par des anticorps, ce système va se précipiter sur la cellule et la perforer en faisant des trous qui vont faire que la cellule va avoir une espèce d'hémorragie et se vider de son contenu. Un autre moyen, une autre arme intéressante, c'est la phagocytose, c'est-à-dire ce sont des cellules qui vont avaler et digérer les cellules ennemies, éventuellement des bactéries, mais également d'autres petites cellules comme les cellules précancéreuses. Alors, une arme également de destruction massive remarquable, c'est la production de radicaux libres, des agents oxydants, que les cellules immunitaires utilisent comme des cocktails Molotov, comme des lance-flammes, pour tuer l'ennemi, éventuellement la cellule cancéreuse. Le résultat global de toute cette activation porte le nom d'inflammation. On considère souvent, en tout cas les patients, que l'inflammation c'est une maladie. Or, l'inflammation, c'est une acquisition remarquable de l'évolution. C'est un processus qui permet de détruire nos agresseurs et de réparer les lésions qui ont été occasionnées par leur entrée dans notre corps. Cette inflammation, en fait, va entraîner l'activation de cette armée de défense. Et l'inflammation, c'est le champ de bataille où nos forces de défense affrontent l'ennemi pour le détruire. Alors, l'inflammation dans ces conditions-là peut être une défense, mais malheureusement, cette inflammation peut être une offense lorsqu'elle est activée de manière inappropriée ou lorsqu'elle est exagérée. Vous devez savoir également que le système immunitaire s'est construit dans un environnement moléculaire qui n'est plus du tout celui dans lequel il se trouve aujourd'hui, qui correspond à celui de notre ancêtre, le chasseur-cueilleur, où la configuration des molécules que nous donnions à travers l'alimentation était relativement stable. Vous êtes au courant que ces 50 dernières années, notre alimentation a subi une dérive assez incroyable, bien sûr dans le mauvais sens. Alors on sait aujourd'hui que l'inflammation pathologique, le fait d'avoir une inflammation, va contribuer au développement des cancers et à leur progression. En effet, l'inflammation, c'est un programme de guerre. Et vous devez savoir que les cellules cancéreuses, qui sont des guerrières, qui sont des ennemis qui vont lutter contre nous, vont utiliser le même processus utilisé par nos cellules militaires armées pour pouvoir envahir notre propre corps. Et donc l'inflammation va être véritablement le nid du développement et de la progression des cancers.
ce schéma montre en fait que cette inflammation va constituer la base pour le développement de cancers primaires, mais également la progression de la formation métastase. Ce qui veut dire que nous devons, dans la prise en charge d'un patient, en plus de toutes ces thérapies qui sont extrêmement sophistiquées, basées sur les acquisitions récentes de notre connaissance, il faut aussi parfois revenir aux essentiels, aux fondements du fonctionnement de l'organisme, et remettre le système immunitaire dans son environnement qui permet de fonctionner correctement, et en tout cas de lutter contre l'inflammation systémique, qu'on appelle l'inflammation systémique de bas grade, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas et dont la plupart d'entre nous malheureusement souffrent, c'est-à-dire que nous sommes tous en état de pré-guerre ou de guerre chronique. Alors, je viens de vous en parler, l'alimentation joue un rôle particulièrement important pour la santé de nos cellules, puisque nous sommes des hétérotrophes, nous sommes obligés de consommer des molécules pour survivre, et pour ça nous devons manger d'autres organismes vivants, que ce soit des plantes ou des animaux, nous sommes obligés. Et on sait aujourd'hui que le système immunitaire, pour son fonctionnement optimal, dépend de manière intime de l'approvisionnement en quantité et en qualité de molécules particulières. Il y a plus de 10 000 publications qui relatent de l'impact de l'alimentation sur la santé, et nous allons les voir une par une, bien sûr, jusque la fin du mois. Non, c'est pour rigoler. Je vais vous montrer quelques-unes où, par exemple, on voit ici que c'est une étude qui a un certain temps, mais qui montre que notamment qu'il faut pour le système immunitaire fonctionne des micronutriments. Bien sûr, il faut des macronutriments. Le grand drame des pays africains, c'est qu'il n'y a pas assez de protéines pour faire les anticorps. Et donc, la malnutrition en protéines est responsable de déficiences immunitaires graves, ce qui fait que ces pauvres individus meurent souvent attaqués par des ennemis parce qu'ils n'ont pas l'équipement pour fabriquer les anticorps qui sont des protéines. Et donc, ils vont mourir bien avant les pauvres qu'ils ne développent des maladies cancéreuses. Néanmoins, si la famine en macronutriments touche un grand nombre de la population, vous devez savoir que dans les pays occidentaux, nous souffrons de famine en micronutriments. C'est-à-dire que notre alimentation ne contient plus les micronutriments nécessaires, comme le zinc, le sélénium, certaines vitamines nécessaires pourtant au fonctionnement optimal. Et je voulais simplement, hors d'un ensemble de molécules qui font absolument apporter à nos systèmes immunitaires pour qu'ils fonctionnent, vous rappelez quelques points importants, notamment, j'espère que vous avez compris qu'il est fondamental de faire en sorte que vos barrières soient efficaces. Sinon, ceci va entraîner une altération de ces barrières. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer dans votre corps, des méchants et pas des méchants. Et cette entrée d'agents étrangers dans votre corps va déclencher une réponse immunitaire. Et cette réponse immunitaire va créer une inflammation qui est le terrain du cancer, je vous l'ai rappelé. Donc il est important d'optimiser la fonction de barrière intestinale. Ensuite, nous allons voir très rapidement que certains nutriments comme le zinc, qui est majeur pour le système immunitaire, le fer, la glutamine, la vitamine D sont importants. La réponse inflammatoire dépend de la proportion équilibrée d'acides gras oméga 3 et d'acides gras oméga 6. Nous verrons que les poissons gras sont la source principale d'acides gras oméga 3 allongés qui ont ce rôle anti-inflammatoire. Les antioxydants sont également utiles pour pouvoir avoir des cellules qui fonctionnent bien. On sait notamment que, par exemple, les cellules NK, ces fameuses cellules qui nous protègent des cellules précancéreuses, eh bien, ne fonctionnent pas bien s'il y a trop d'agents oxydants, s'il y a trop de radicaux libres. Alors, bien sûr, il faut être extrêmement vigilant parce que parfois, trop d'antioxydants peut avoir un effet aussi délétère que pas assez d'antioxydants. Et puis, il y a certaines plantes immunomodulatrices qui sont capables, en tout cas, de normaliser l'inflammation. On en parle. Alors, un petit problème de... Donc, la première, c'est la restauration des barrières. On peut restaurer les barrières d'abord en mangeant lentement, en mastiquant bien, pour éviter que des molécules non digérées n'arrivent au niveau du côlon et nourrissent les mauvaises bactéries, créant notamment cliniquement des flatulences, mais également de l'inflammation au niveau de l'intestin. On peut aussi aider à garder des barrières intactes en prenant des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries amies qui vont rétablir l'équilibre de la flore intestinale. De plus en plus, on se rend compte du rôle majeur de cette flore intestinale pour notre santé et pour également la bonne activité du système immunitaire. Un élément qui est un nutriment, un acide aminé qui sert à bien barricader la barrière intestinale, c'est la L-glutamine, et le zinc est également important pour faire les joints d'étanchéité au niveau de l'intestin.
Je vous ai parlé du zinc. Le zinc est probablement un des nutriments les plus indispensables pour le système immunitaire. Ce zinc, c'est un cofacteur d'enzymes qui vont être nécessaires pour que le système immunitaire réponde de manière efficace. Or, vous devez savoir que beaucoup de patients, beaucoup d'individus sont carencés en zinc. Okay? Cette carence en zinc va être responsable d'un avortement de la réponse immunitaire. Vous devez savoir que l'immunothérapie, notamment la vaccination anticancéreuse, a pris du plomb dans l'aile, notamment dans le mélanome. On s'est rendu compte qu'une vaccination basée sur l'antigène masse ne fonctionnait pas bien. Mon hypothèse, c'est que la plupart des patients qui ont eu un cancer, probablement avaient un système immunitaire qui n'était pas dans le bon environnement nutritionnel. Et donc, généralement, les traitements ne vont pas améliorer ce statut. Et je pense que de vacciner un patient dont l'environnement nutritionnel ne permet pas au système immunitaire de répondre, si on le vaccine, ça ne va pas marcher. Si déjà n'a pas bien fonctionné avant, comment imaginer qu'il puisse fonctionner? Parce que si vous rendez plus d'armes à des combattants, mais que vous ne leur donnez pas les munitions, ils ne vont pas pouvoir se défendre mieux. Il faut donner les armes de munitions. C'est pour ça que je pense qu'il est fondamental, lorsque l'on prend un patient en immunothérapie, de vérifier que son organisme a l'ensemble des nutriments nécessaires pour que les cellules immunitaires fonctionnent. Et un des éléments à vérifier, c'est le zinc. Ce zinc, on en a besoin de 15 à 30 mg par jour, et à partir de 40 ans, on considère qu'il faut prendre 40 mg de zinc par jour en dehors de repas, sinon son absorption entre en compétition avec d'autres métaux. La source principale, ce sont les produits d'origine animale, la viande, les poissons, les fruits de mer, mais la plus grosse source de zinc, c'est l'huître, donc ça ne vous fera pas déplaisir, puisqu'il y a 70 mg pour 100 g d'huître, et puis on en a dans d'autres éléments. Un autre nutriment extrêmement important également pour le système immunitaire, c'est le fer. Ce fer est fondamental pour notre santé en général. Il intervient dans plus de 200 réactions biochimiques. Et le problème, c'est que le fer est aussi délétère en excès qu'en carence. Et donc, il est important pour le médecin de bien vérifier si le statut en fer du patient est correct. L'autre nutriment qui a explosé par rapport à son rôle dans l'immunité en cancérologie et qui révèle avoir des activités méconnues jusque-là, c'est la vitamine D. Cette vitamine D, on sait tous qu'elle est importante pour le calcium et pour les os. On sait moins, et en tout cas le grand public sait moins, que cette vitamine D joue un rôle majeur dans la maturation et le fonctionnement du système immunitaire et également des activités anticancéreuses remarquables en étant notamment anti-angiogénique. Comme nous l'avons vu ce matin, eh bien, l'angiogénèse est un processus relativement important à cibler en cancérologie. Et donc, on se rend compte que cette vitamine D, en tout cas en carence, peut compromettre le fonctionnement du système immunitaire. Et donc, il sera fondamental de vérifier chez un patient cancéreux que son taux de vitamine D est correct. Enfin, les acides gras oméga 3, on en a parlé, sont de véritables nutriments anti-inflammatoires. En effet, l'intensité de la réponse inflammatoire dépend de l'équilibre entre des acides gras oméga 6, en particulier l'acide arachidonique, son nom vient de l'arachide, et l'acide eicosapentaénoïque, qui est un peu plus compliqué au niveau prononciation, mais qui vient des poissons gras. Et ces deux acides gras vont produire ce qu'on appelle des molécules soit très inflammatoires, soit beaucoup moins inflammatoires. Et en fait, il faudrait, pour avoir une réponse immunitaire normale, il faudrait avoir un rapport 1-1. Or, la plupart d'entre vous, avez un rapport 20 acides arachidoniques pour un acide eicosapentaénoïque, ce qui veut dire que lorsque votre système immunitaire est activé, il est activé 20 fois de trop en 1%, ce qui peut entraîner toute une série de problèmes. Alors, finalement, certaines plantes ont des activités anti-inflammatoires, normalisatrices de l'immunité et également, antioxydantes, notamment, et anticancéreuses, c'est le curcuma. Le curcuma est un puissant anti-inflammatoire, c'est un normalisateur de la réponse inflammatoire qui également s'est avéré extrêmement efficace dans le traitement du cancer. Le problème, vous savez, du curcuma, c'est que le curcuma, M. Barlesi a parlé de commercialisation. Ça coûte très cher pour pouvoir démontrer qu'un médicament fonctionne. Okay, et après, l'investisseur veut éventuellement récupérer sa mise. Or, le curcuma, il n'est pas brevetable. La nature l'a inventé. La nature, n'étant pas vénale, n'a pas beaucoup déposé de brevets. Et donc, il n'y a pas
d'intérêt à développer des programmes de recherche de démonstration d'efficacité, parce qu'après, tout le monde pourra le vendre. Okay? Ce qui ne veut pas dire que l'efficacité d'un traitement qui n'est pas commercialisé doit être mise en doute. En fait, il y a énormément d'études, énormément de données scientifiques qui montrent que le curcumin est un puissant régulateur de l'immunité, un puissant agent antitumoral et devrait être utilisé plus souvent avec aucune toxicité. Alors, pour faire court en pratique, donc comment est-ce que vous pouvez assurer un bon fonctionnement de votre système immunitaire en 10 points? Eh bien, je vous l'ai dit, ça c'est majeur, manger lentement, bien mastiqué. Vous pouvez pas vous imaginer combien vous allez faire du bien à votre corps en assurant cette première étape critique de la digestion et en évitant que des macromolécules non digérées aillent alimenter vos mauvaises bactéries. Mangez beaucoup de fruits et légumes, essentiellement bio si possible. 50% de ce que vous mangez devrait être des fruits et des légumes, okay, riches de vitamines, d'antioxydants, de minéraux. Mangez au moins 3 fois par semaine entre 100 et 150 grammes de poisson gras. Les plus petits sont les moins contaminés. Et parfois, bon, c'est vrai que le consommateur ne sait plus sur quel pied danser, puisque un jour on lui dit qu'il faut manger du poisson, le lendemain on lui dit attention, le poisson il est contaminé avec des métaux lourds. Les métaux lourds sont des puissants toxiques, notamment pour le système immunitaire. Et donc, ceci fait bien sûr la part belle pour les firmes qui vendent des huiles de poisson. Évitez les huiles qui apportent beaucoup d'oméga 6 pro-inflammatoires, donc l'huile de maïs, l'huile d'arachide. Évitez les fritures qui vous amènent beaucoup d'acides gras toxiques, cancéreux, d'acides gras trans. Préférez l'huile de colza, d'olive et de soja, le colza et le soja qui apportent quelques oméga 3, mais pas les anti-inflammatoires, les précurseurs. Vérifiez et optimisez votre taux de vitamine D. Alors ce n'est pas parce que vous prenez la vitamine D que votre taux est bon. Parce que la vitamine D, vous devez la prendre, mais elle doit être également absorbée par l'intestin et distribuée. Okay? Donc il est important, quand vous avez un taux de vitamine D qui est bas et que vous voulez la corriger, de vérifier que la correction a été efficace. Okay? Ça, c'est hyper important. C'est important pour l'ensemble de ces nutriments. Généralement, ce que la médecine nutritionnelle vise, c'est avoir un équilibre qui est adapté à la fonction physiologique. Alors, vérifiez, optimisez le taux de zinc et de fer également, de savoir qu'un excès de zinc est aussi délétère pour le système immunitaire qu'une carence. Vous relaxez, très important pour le système immunitaire. Vous amusez, pour l'instant vous êtes en train de vous faire beaucoup de bien en riant. Et, plus important, aimer et être aimé, être une source importante de bon stimulus au niveau immunitaire. Et je voudrais vous dire que le stress a un impact majeur sur l'immunité. Voici par exemple une étude qui montre que des couples qui se disputent, eh bien, très rapidement après la dispute, on a une chute, un effondrement du nombre de cellules NK. Hein. Alors que si vous participez à des séances de rire et d'amusement, on voit que vos activités NK sont augmentées, les natural killers sont augmentées par le rire. Mais bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, puisque après la pause, vous allez avoir la remarquable intervention du professeur Spiegel qui vient vous parler du stress et de l'importance de la gestion du stress par rapport à la gestion des patients cancéreux. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci mille fois. Voilà, tu as tenu les temps, je te remercie aussi. Par contre, je ne suis pas un bon hypnotiseur, tu as dépassé très largement la ligne. On va aller très vite sur les questions, exprès parce que je crois qu'il est temps de se faire une pause, et donc je vais aller très vite, il faut juste dans la procédure le faire, mais juste vérifier vite dans cette question-là sur la vitamine D, tu l'as abordé, il y a un taux qui est toujours marqué par nos laboratoires, c'est le taux nécessaire pour un bon fonctionnement pour nos os, mais dans le cadre de la cancérologie, il faut être au-dessus de ce fameux 30 nanogrammes par millilitre. Hein. Il faut des taux plus élevés. Entre 50 et 75. Voilà. Donc ça, ce taux est insuffisant. Il faut en prendre. Il faut surveiller, effectivement, régulièrement. Parce que là, la tendance est de dire, ça y est, mon taux est bon, j'en prends plus. Ah bon, quand vous avez bu un verre d'eau, vous avez plus soif, vous ne buvez plus après. On a besoin de vitamine D pour la vie. Il faut surveiller ça régulièrement.
C'est bien, la majorité a bien retenu, connaissait ça déjà, c'est bien. Ensuite, une patiente en rémission, non, ça j'ai déjà passé, pardon. Quels sont les éléments qui peuvent influencer favorablement l'activité du système immunitaire? Eh bien, alors que j'adore parler du curcuma, vous voyez que j'ai oublié de le mettre en gras, effectivement. Parce que je voulais parler de ceux qui agissaient directement, mais oui, il agit sur l'inflammation, tout est intéressant, l'activité physique aussi, hein, est vraiment quelque chose qui a une influence sur le système immunitaire. Par là. Tu voulais dire quelque chose? Non, non. Les personnes ont mis 72% de curcuma, donc c'est ah oui, bien. Le pourcentage, ben, tout le monde est presque d'accord. Hein. À part le zinc, tu vois que... Le zinc, c'est très important, hein, les enfants, très important. Cocher des mesures biologiques qui évaluent le système immunitaire anticancéreux. Donc si on veut vraiment évaluer, je te laisse, je crois qu'il faut aller vers ça. Hein. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas en pratique clinique, c'est dans les éléments de recherche. Mais le nombre de cellules naturelles culleurs, on peut le doser, on peut le surveiller. Mais ce n'est pas remboursé, ce n'est pas très cher. C'est une trentaine d'euros, mais bon. Voilà. Le reste, c'est trop généraliste pour tester le système immunitaire anticancéreux. Voilà, il y en a pas mal qui connaissaient ça, c'est bien. Donc là, c'est pas suffisant, ça, c'est l'armée générale, mais elle est beaucoup trop généraliste pour être efficace contre le cancer. Démarche de prévention, est-ce qu'on peut faire un test du stress oxydant dans un laboratoire conventionnel? Non. Alors, c'est pas remboursé, mais on peut faire un test, mais bon, il y a quelques tests. Il y a quelques laboratoires, mais pas beaucoup qui ont l'expertise de réaliser ces tests. Voilà, il y en a quelques-uns, et là encore une fois, ce n'est pas remboursé, malheureusement. Non. En cours de chimiothérapie, une patiente prend des probiotiques. Alors ça, j'adore cette question. C'est contre-indiqué parce qu'elle a un dispositif veineux implanté, vous savez, le porte-à-quatre. Moi je suis tout à fait contre, parce que moi je pense qu'il faut prendre des probiotiques. D'ailleurs, une étude vient de montrer que les probiotiques stimulent le système immunitaire et augmentent l'activité antitumorale, système immunitaire. D'autre part, si le patient a de... La chimiothérapie va entraîner des trous dans votre intestin. Okay? Et donc, les bactéries vont passer. Mais si vous donnez des probiotiques, vous donnez des bonnes bactéries. Moi, si je dois avoir des bactéries qui circulent dans mon sang, je préfère que ce soit de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries, qui sont des bactéries de putréfaction. Donc, je pense qu'il y a c'est plus un concept théorique qui n'a jamais donné lieu à une vérification clinique. Et en fait, il est bien plus intéressant d'avoir des bonnes bactéries quand on est en chimiothérapie que d'avoir de mauvaises bactéries. Donc je pense qu'il faut donner des probiotiques pendant la chimiothérapie. Voilà, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, moi, j'en donne à mes patients. Il y a une prudence, effectivement, dans les situations de greffe-autogreffe, où là, il n'y a plus... essayer de créer un vide bactérien, enfin, vide immunitaire. Par contre, avant la greffe, c'est bien de faire une cure de probiotiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises bactéries, notamment du Clostridium difficile. Voilà. Qui soit présent en abondance. Voilà. Donc là, ici, on est d'accord. Avant, on peut. Pendant, non. Par contre, là, c'est un non-sens et c'est même marqué dans le Vidal. Mais c'est hallucinant d'avoir écrit cela, puisque nous avons 200 000 milliards de bactéries dans les intestins. Donc, c'est pas parce qu'on va rajouter 2 milliards, 10 milliards de bactéries probiotiques que ça va être dangereux. Il y a un cathéter implanté. C'est même 1 million. Il y a 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Ouais. Donc c'est 1 million de milliards. Hein. Voilà, donc ça c'est une erreur qu'on voit souvent, je le dis aux pharmaciens. Les probiotiques ne sont pas contre-indiqués quand il y a un porte-à-quatre. Par contre, évidemment, prudence ici. Non, c'est vraiment dans des situations, les levures, on ne parle pas des levures simples qui sont données habituellement. On parle des probiotiques habituels. Mais il faut vraiment, pour avoir des septicémies, être dans des situations où, mettons, c'est une pancréatite aiguë où il y a une effraction majeure, ou lorsqu'il y a une greffe. Mais sinon, comme on l'a dit, il n'y a pas de souci. Et moi, je n'en ai jamais rencontré dans la pratique, je n'ai jamais vu de septicémie à probiotiques. Intérêt potentiel des pré-probiotiques. Donc, il y a des études intéressantes qui montrent qu'on a un effet sur la douleur. Il y a un impact sur les récepteurs à la morphine, au niveau des cellules intestinales, dans les carcinoses péritonéales, c'est intéressant pour réduire les douleurs. C'est une équipe de Lille qui l'avait montré. Ça module la réponse immunitaire, comme on l'a dit, ça améliore la barrière. Par contre, ça ne jouera pas sur lorsqu'il y a une neutropénie. C'est pas ça qui va corriger la chute des globules blancs. Hein. Tout à fait. Et il y a un effet de prévention sur les polypes intestinaux, qui est connu aussi. Sur les alkylglycérols, dont tu n'as pas parlé, parce que tu peux bien sûr pas parler de tout, c'est souvent utilisé. Et là, c'est des Finlandais, les Suédois qui ont beaucoup travaillé ça dans les années 70. Joyeux avait fait une étude là-dessus, hein, pour montrer l'intérêt.
On connaît ça depuis longtemps, l'armée l'utilise pour ses plongeurs en extrême et dans l'espace, parce que ça améliore la circulation sanguine au niveau de la toute petite circulation. Mais ça a un impact réel sur la production des cellules sanguines. Mais ce n'est pas pour rien qu'à la naissance, effectivement, le lait maternel contient de ces graisses qu'on n'a plus dans l'alimentation. Elle est dans des poissons qui vivent à 200-300 mètres de profondeur dans les pays très fins, dans les eaux froides. Mais elles ont des capacités remarquables pour améliorer l'action du système immunitaire et la cicatrisation. Et ça peut être utilisé pendant la chimiothérapie, puisque ça a été testé. On n'a pas réduit l'efficacité des radiothérapies ou des chimiothérapies dans le cancer du sein et le cancer du rectum notamment. Donc, ce n'est pas présent dans l'alimentation, ça stimule, ça favorise la cicatrisation, et c'est dans le lait maternel, oui. La mélatonine, c'est un régulateur, oui, de l'horloge biologique, et par là même une sorte de chef d'orchestre du système immunitaire. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour montrer l'intérêt. Alors après, si on veut utiliser pour recadrer le sommeil, ben c'est des doses de 1 à 3 mg, mais on ne peut pas espérer un effet oncostatique. Par contre, peut-être qu'Alain Cras en parlera cet après-midi, il y a un effet mais antioxydant, mais quand on est à 20 mg. Donc vous voyez que c'est aussi les choses, quand on les utilise, en fonction de la dose, on peut avoir des résultats différents. Et elle n'est pas en vente libre, on peut la voir dans les pharmacies sous forme de préparation magistrale. Après, il y a une forme qui est disponible à 3 mg, mais au-delà, non. Ensuite, voilà, tout le monde savait ça, c'est bien. Les éléments qui viennent altérer le système immunitaire, tu l'as dit, la dénutrition en premier lieu est un élément qui vient altérer le système immunitaire. Les anticorps, ce sont des protéines. Si on en manque, le corps va chercher les protéines dans les muscles, le système immunitaire et les intestins. Donc c'est très important de corriger cela, et on le sait en cancérologie. La B12 n'est pas, hein, c'est pas quelque chose qui joue un rôle particulier, l'anémie pas du tout, le cholestérol non plus. Et à quel stade, je pense, le système immunitaire, il faut le stimuler le plus important, si on veut et si on doit choisir, certainement quand même au moment de la rémission, parce que c'est logique, c'est un peu le débarquement en Normandie, c'est pas on a demandé aux soldats de débarquer une fois que les bombes étaient arrêtées. On bombardait d'abord, on pillonnait les cibles ennemies, ensuite on a fait débarquer les soldats. Voilà, c'est un peu schématique, c'est une vérité qui, bien sûr, comme tu disais, est en partie fausse, mais s'il y a un moment où il faut faire un effort, c'est sûrement là, au moment où la chimiothérapie n'a pas trop altéré le système immunitaire. Et elle a plus de chances d'être efficace. Super. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, très bien. Alors, je propose une pause. On se retrouve à 11h15. On va se dire 11h15. 11h20. Je propose d'aller au stand.